T'es triste? T'écoutes la musique. Tu veux danser? T'écoutes la musique. T'attends le bus? Tu écoutes la musique. Tu fais tes devoirs. T'écoutes la... Prof? La musique, tu la connais. Peut-être même que t'en fais. Par exemple? Sous la douche. La 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 la. Franz aussi. Il connaît la musique. Il en fait. Il l'écrit. Pas seulement. Sous la douche.
Va-t'en. Va-t'en, odieux squelette. Je suis encore jeune. Ne me touche pas. Donne-moi la main, douce et belle créature. Tu n'as rien à craindre, je suis ton ami. Je ne suis pas un monstre, sois réjoui et viens dormir dans mes bras. Vous venez d'entendre un poème et de la musique. Le poème raconte l'histoire d'une jeune fille qui fait une rencontre tout à fait inattendue. Qui est cet être mystérieux qui veut prendre sa main? On n'en sait rien. Mais pour l'heure, ce qui nous intrigue, c'est plutôt comment ça se passe dans la tête d'un compositeur. Comment c'est possible que des mots, qu'un poème, puissent être traduits en notes de musique? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bienvenue dans le Laboratoire de France. Le Laboratoire de France, c'est comme si on plongeait dans la tête d'un compositeur. Dans ce laboratoire, on regarde comment on fabrique la musique. Il y a trois bureaux ici, et chacun a sa tâche bien précise. Le mien, c'est celui de la mélodie. La mélodie, c'est ce qui incarne un personnage, par exemple une jeune fille joyeuse ou un guerrier féroce. La mélodie, c'est aussi ce qu'on retient en général en sortant d'un concert et qu'on emporte avec soi. Ici, on s'occupe du mouvement, de l'énergie de la musique. Notre outil principal, c'est le rythme. Il y a des rythmes qui vous endorment en berçant, et des autres, plus dynamiques, qui vous font danser. Dans mon bureau, on s'occupe de l'harmonie. L'harmonie, c'est jouer plusieurs notes en même temps. Elle crée des ambiances et des couleurs. Elles sont nombreuses. Certaines nous rendent joyeux, d'autres nous font pleurer. Nous avons déjà traduit un texte et puis un caractère en musique. Franz va maintenant construire un tableau musical, une image sonore. Prenons le rythme menaçant de Mister Mystère du début. Cette fois, plus vite. Ce sera le fond noir du tableau, car il fait nuit. Rajoutons maintenant une deuxième couche, une mélodie pour imiter les mouvements des feuilles et des branches. Car nous sommes dans la forêt. Entre les arbres, on voit la jeune fille sautillante, ses cheveux reflètent la lumière de la lune. Au milieu, en grand, c'est Mister Mystère qui se met à chanter pour séduire la jeune fille.